Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. 14 et 15. 15 boutures. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo où nous allons parler une fois de plus d'une culture qui peut te rendre multimillionnaire. Donc une culture qui peut te rendre multimillionnaire avant même la récolte. Donc cette culture, j'ai déjà parlé de cette culture plusieurs fois dans cette chaîne. Donc aujourd'hui nous allons encore parler de cette culture et je vais vous montrer un de mes abonnés qui m'a contacté et qui m'a parlé de cette culture. Il m'a dit, il a suivi mes vidéos et il a décidé de rentrer au village. Dans les parcelles que ses parents possèdent au village, il a décidé de se lancer dans un hectare de manioc. Mais malheureusement, il n'a pas pu être millionnaire. Il a abandonné, il s'est découragé. Il m'a fait part, je suis descendu sur le site et j'ai fait une visite du site, j'ai fait une expertise. Et je lui ai montré pourquoi il n'a pas pu être millionnaire. Je lui ai montré pourquoi il n'a pas atteint son but. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer et je vais vous expliquer comment devenir millionnaire avec la culture du manioc avant même de récolter le manioc. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous faire voir ce jeune, je vais vous faire voir sa parcelle. Et vous aussi, vous pourrez vous servir de cette expérience-là pour pouvoir être multimillionnaire en culture de manioc. Déjà, je vous ai déjà dit plusieurs fois que vous n'avez pas besoin d'être propriétaire d'un site, d'être propriétaire d'un terrain pour pouvoir faire dans l'agriculture. Donc, il y a plusieurs astuces que j'ai déjà parlé dans cette chaîne. Vous pouvez louer du terrain, vous pouvez vous associer avec quelqu'un qui possède le terrain et faire des grandes choses. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. À la fin, je vais vous présenter ce jeune, je vais vous présenter son champ qu'il a abandonné et finalement, il a décidé de reprendre les choses en main. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Une fois de plus, je vous explique comment devenir multimillionnaire avec la culture du manioc. Donc, pour rappel d'abord, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Pour rappel, vous deviez savoir que lorsque vous vous lancez dans la culture du manioc, vous deviez avoir des boutures. Un hectare prend 10 000 boutures de manioc. 10 000 boutures de manioc. Donc, pour vous parler de l'histoire de mon abonné qui m'a fait part de son champ, il s'est lancé, il a décidé de se lancer. Il est allé lui-même prendre la parcelle que ses parents l'ont léguée. Il a fait le défrichage, il a fait l'abattage, il a fait le nettoyage. Après le nettoyage, il s'est battu pour avoir des boutures. Une seule bouture coûte 25 francs la bouture. Donc, il a acheté 10 000 boutures qui fait 25 francs fois 10 000. Ça lui revient à 250 000. Donc, 250 000 d'investissement sur un hectare de manioc déjà juste uniquement pour les boutures. Donc, pour les boutures. Bon, là, c'est le premier calcul parce que là, nous allons entrer dans les calculs. Maintenant, lorsque vous décidez de vous lancer après avoir mis les boutures, comment devenir millionnaire avant même la récolte. Donc, premièrement, ce que vous deviez savoir, c'est que la première des choses que vous allez commencer à récolter, peut-être que je pense 3 à 4 mois avant même de récolter les boutures, vous allez commencer à récolter les feuilles de manioc. Donc, les feuilles de manioc qui constituent aussi un business juteux que beaucoup de personnes ne savent pas encore. Donc, les feuilles de manioc, vous pouvez, avec ces feuilles de manioc, vous pouvez revendre dans les marchés, il y a des dames qui peuvent acheter en gros, il y a des personnes qui achètent en gros pour aller cuisiner, d'autres personnes achètent aussi pour nourrir des animaux. Déjà, vous deviez savoir que en élevage de porc, il est fortement conseillé de consommer les feuilles de manioc, de donner les feuilles de manioc au porc, surtout au porcelet et aux truies gestantes, aux truies allaitantes. Les feuilles de manioc sont très riches en fer. Riche en fait. Vous allez voir même chez nous les humains ici, lorsqu'il y a des mamans qui veulent faire du remède du sang pour les enfants, ils utilisent les feuilles de manioc, elles finissent de broyer et le jus qui sort est très riche en fer. Donc ça a plusieurs éléments. Vous pouvez faire des recherches sur Google pour voir la propriété de ces feuilles.
Donc, il coûte énormément cher. Le paquet de feuilles de manioc dans nos marchés coûte entre 500 et 700 francs en montant. Et nous avons 10 000 boutures. Si chaque bouture nous donne un paquet de feuilles de manioc, faites 500 francs fois 10 000. Et vous verrez combien ça rapporte. Donc, comme je viens de dire tout à l'heure, c'est chaque bouture que nous avons mise au sol, durant tout le cycle, nous donne au moins minimum un paquet de feuilles que nous revendons au marché. Donc, nous allons faire un paquet de feuilles qui coûte, prenons le minimum qui coûte 500 francs, nous faisons un paquet fois 10 000 boutures que nous avons mis au sol. Ça nous fait 5 millions de francs propres. Donc, rien que sur les feuilles, nous avons 1 million de francs déjà. Parce que nous allons faire 500 francs fois 10 000 sur les feuilles. En sachant que les feuilles se reproduisent. Donc, lorsque vous cueillez, peut-être 2 ou 3 mois après, vous allez encore récolter les feuilles. Donc, c'est pas comme les mangues que vous allez cueillir une fois et attendre l'année prochaine. Non. Au fur et à mesure que vous cueillez, ça ressort. Au fur et à mesure que vous cueillez, ça ressort. Donc, vous pouvez avoir 5 000 francs uniques, 5 millions de francs uniquement sur la vente, la récolte et la vente des feuilles de manioc. Maintenant, ça dépend de vous. Vous pouvez décider de revendre aux grossistes à un prix discutable. Il y a les grossistes qui vont vous dire, bon, moi, je viens acheter à 300, 400 francs pour aller revendre à autre prix. Ça dépend de la négociation que vous faites avec les grossistes. Donc là, nous parlons déjà des feuilles. Nous avons déjà calé sur 5 millions de francs CFA. Vous pouvez aussi ne pas revendre. Si vous êtes une personne qui fait, si vous faites aussi dans l'élevage, vous pouvez nourrir vos porcs avec et voir vous-même le rendement qu'il y aura là-dedans. Donc, c'est ce que nous appelons, nous formons dans les fermes intégrées, comment utiliser les plantes pour soigner, pour nourrir certains animaux. Donc, ensuite, nous allons passer à la récolte des boutures de manioc. Sachant que vous avez acheté 10 000 boutures à 250 000 francs et vous avez mis au sol. Chaque bouture que vous avez mis au sol peut vous donner minimum 15 boutures. Donc ça c'est le minimum, 15 boutures. Une bouture que vous avez mis au sol vous rapporte 15 boutures. Donc si vous faites 15 boutures fois 10 000 boutures que vous avez mis au sol, ça vous donne 150 000 boutures. Donc vous avez mis 10 000 boutures au sol, mais maintenant, ça vous rapporte 150 000 boutures que vous pouvez revendre, que vous pouvez réutiliser. Donc maintenant, faisons encore les calculs. Vous avez cette fois-ci 150 000 boutures. S'il faut revendre ces boutures-là au prix de 25 francs la bouture, combien vous pouvez gagner? Donc, ça vous donne 150 000 boutures. Et si nous faisons les calculs, nous faisons 150 000 boutures fois 25 francs par bouture. Ça vous donne un total de 3 750 000. 3 750 000 sur les boutures uniquement. Donc là, vous voyez un peu la rentabilité. Nous avons déjà d'abord, rien que sur les feuilles, le minimum à 5 millions. Maintenant, sur les boutures, nous avons minimum 3 750 000. Nous nous retrouvons à 8 750 000 déjà. Donc, vous voyez un peu comment c'est rentable. Donc, tout ce que je suis en train de vous dire, à la fin de la vidéo, je vais vous montrer la parcelle dont je vous ai parlé. Je vais vous montrer ce jeune, comment il est en train de récolter, comment je le montre, comment récolter les boutures, comment il peut aussi récolter les feuilles, ainsi de suite. Donc là, nous avons déjà 5 millions sur les feuilles, 3 750 000 sur les boutures. Donc là, nous avons déjà parlé des feuilles de manioc, nous avons déjà parlé des boutures de manioc. Maintenant, nous allons parler du manioc en lui-même, donc des tubercules, comme on l'appelle. Maintenant, lorsque vous faites la récolte des tubercules, sachant que vous avez mis 10 000 boutures au sol sur 1 hectare, chaque bouture doit vous donner du manioc. Donc, vous allez faire 10 000 récoltes aussi. Et beaucoup plus même, il y a parfois, ça sort beaucoup plus. Donc là, imaginons, disons-nous, si chaque bouture nous donne un tas qui équivaut 500 francs minimum, parce que dans nos différents marchés, vous-même vous voyez, dans nos différents marchés, le manioc coûte cher, énormément cher. On vous met 3 tas, 3 morceaux de manioc à 500, 800, 1000 francs. Donc, nous allons prendre le strict minimum. Si chaque bouture nous donne minimum un tas de 500 francs,
Donc, nous refaisons encore les calculs. Nous allons faire 500 francs fois 10 000 boutures. Donc, on se retrouve une fois de plus avec 5 millions de francs CFA. Maintenant, nous faisons un total. Les feuilles de manioc nous ont donné, les feuilles de manioc nous ont donné 5 millions de francs CFA. Les boutures de manioc nous ont donné 3 750 000. Le manioc en lui-même nous donne 5 millions. Donc, nous nous retrouvons avec un total de 13 750 000. Vous voyez un peu à quel point la culture du manioc peut être rentable lorsqu'on décide de vraiment s'émerger, de se lancer et vraiment s'émerger. Pour rappel, si vous êtes aussi en train de faire dans la culture du manioc et que vous avez des boutures que vous cherchez à vendre et que vous ne trouvez pas par exemple des clients ou alors que vous ne connaissez pas comment la vente se passe, vous pouvez aussi me contacter sur le numéro WhatsApp que je vais laisser là pour que nous puissions acheter vos boutures, parce que jusqu'à présent nous avons plusieurs partenaires qui recherchent les boutures, ils ne trouvent même pas. Donc si vous avez un champ que vous êtes en train de faire, contactez-moi et nous pouvons acheter vos boutures, ou alors si vous avez besoin des boutures, nous pouvons aussi vous fournir les boutures. Si vous êtes en train de vouloir vous lancer et vous avez besoin des boutures pour faire dans la culture du manioc, si vous avez besoin d'être accompagné, si vous avez besoin d'être formé, que ce soit en présentiel, que ce soit à distance, vous pouvez me contacter et nous vous formons. Déjà, dans l'application Telegram, je vais faire venir ce jeune et il va vous raconter son histoire. Il est allé faire du manioc dans son village et il a été découragé, il a abandonné, il est revenu en ville. C'est tout récemment que nous sommes remontés ensemble et je lui ai montré comment il peut gagner énormément d'argent sur un hectare. Donc, il a décidé de reprendre la machette et redéfricher son champ, remettre la propriété et recommencer les récoltes des feuilles, les récoltes des boutures et les récoltes du manioc en lui-même. Donc, suivez la vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous faire voir le site, le champ, comme où nous sommes allés. Je vais vous faire voir son champ et vous allez voir tout ce que je suis en train de dire. Vous allez voir comment nous avons fait cette expérience là sur le terrain et il s'est retrouvé avec des millions en quelques jours. Nous l'avons aidé à vendre ses boutures de manioc, nous l'avons aidé à vendre ses tubercules de manioc. Donc maintenant il est prêt à relancer encore 2, 3, 4 autres hectares et se faire encore beaucoup plus d'argent. Donc suivez la vidéo jusqu'à la fin, allons au champ ensemble. Et si vous avez des questions, si vous souhaitez être formé, vous pouvez aussi m'écrire. Et surtout, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de partager la vidéo. Je pourrais toujours partager des actus aussi enrichissantes. Vous partagez des expériences que nous faisons sur le terrain. Vous partagez comment nous accompagnons plusieurs personnes. Et vous montrez les techniques qu'il faut. Parce que se lancer dans la culture du manioc, c'est bien beau. Mais il y a aussi des maladies, il y a des traitements qu'il faut faire pour avoir des très bons rendements. Et si vous ne maîtrisez pas ces rendements, si vous ne maîtrisez pas ces maladies, vous pouvez être attaqué par une maladie dans votre champ et vous passez dans le champ tous les jours sans vous en rendre compte que votre champ est attaqué. Il faudrait que vous fassiez une petite formation, il faudrait que vous ayez des conseillers qui vous disent comment ça se passe pour que vous puissiez réussir cette culture. Parfois, c'est lorsque vous arrivez au moment de la récolte que vous vous rendez compte. Par exemple, que le manioc est pourri au sol, le manioc n'a pas bien donné, il faudrait que vous mettez toutes les barrières, il faudrait que vous mettez tout pour que votre champ soit rentable, soit bénéfique, soit productif. Donc, à plus dans les prochaines vidéos. Vous pouvez aussi intégrer le groupe Telegram pour participer aux différentes formations que nous lançons sur la culture du manioc.
Là, là, pas là. Voilà, on va contrôler le jour que ça donne. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze, quatorze et quinze boutures. C'est bon. On a encore beaucoup de boutures ici là. Ça, on peut aussi s'aimer, ça prend bien, très bien même. Donc sur les 15 boutures, voilà encore 5, ce qui fait 20 boutures. Ici on a encore une bouture. On a ça. Ok.